Avec les nombreuses polémiques et disputes soulevées depuis plusieurs mois entre le prince Harry et sa famille, on aurait presque tendance à oublier que cela ne s'est pas toujours passé ainsi. Alors que le couronnement est désormais une affaire de jour et que la venue du prince Harry à l'événement va signer ses retrouvailles avec sa famille presque 8 mois après les avoir vus pour la dernière fois, il fut un temps pas si lointain où le duc de Sussex entretenait de bonnes relations avec le reste de la firme. Harry fut notamment l'un des premiers à accueillir Kate Middleton dans la famille royale et à la considérer très vite comme une proche. Conscient des difficultés à intégrer la firme, Harry a souhaité mettre à l'aise dès leur première rencontre celle qui est devenue par la suite sa belle-sœur en plaisantant et riant avec elle. Dans ses mémoires, le duc de Sussex a salué les qualités de Kate Middleton, qu'il a qualifiée d'insouciante, douce et gentille. Rapidement, William, Harry et Kate ont formé un trio se présentant à de nombreux événements ensemble et paraissant inséparables aux yeux de tous, ne laissant présager que du positif pour la suite. Malheureusement, les relations se sont gâtées par la suite avec l'arrivée de Meghan Markle et la survenue du mégoïde. Cependant, ceux qui sont désormais princes et princesses de Galles ont récemment assuré avoir toujours beaucoup d'affection pour le prince Harry. Redécouvrez les photos du prince Harry complice avec le reste de la famille royale. Le Harry complice avec le reste de la famille royale, ces clichés presque oubliés. Harry a aussi été très proche de son père et de son frère, très proche aussi de son frère durant son enfance. Harry s'est pourtant éloigné de William ces dernières années, n'hésitant pas à le critiquer à de multiples reprises au sein de son documentaire ou encore de ses mémoires publiées au début de l'année 2023. Des critiques qui ont particulièrement touché le futur roi, au point que celui-ci a clairement fait comprendre qu'il ne voulait aucun contact avec son frère durant le couronnement de leur père le 6 mai prochain. Autre personnalité dont Harry était aussi très proche, son père, le roi Charles III. Victime lui aussi des critiques du duc de Sussex, le monarque a cependant souhaité passer outre et a invité son fils à être présent lors de la cérémonie du couronnement. Une invitation que Harry a acceptée mais où il ne compte pas s'éterniser. Le duc de Sussex, venant seul, souhaiterait repartir aussi vite à la fin de la cérémonie, pour retrouver femme et enfant avant la fin de la journée. Crédit photo, Action Presse. Keep your chance.